Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche et que vous êtes au taquet pour une nouvelle semaine avec les sessions Adobe Live. Alors aujourd'hui, on reçoit Mélissa Zambrana. Bonjour Mélissa. Bonjour Pauline. Alors je vais en profiter pour faire des bisous à tout le monde dans le chat. Bienvenue à tout le monde. Bonjour à Thierry. Des bisous à Aurore. Salut Aurore. Bonjour à Clara. Marc et Jamila, Virginie, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est en direct, donc vous pouvez embêter Mélissa et lui poser toutes les questions possibles de la Terre. Voilà. Ouais, faites-moi souffrir, allez-y. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Du coup, je suis Mélissa Zambrana, je suis graphiste, j'ai 32 ans, j'habite dans le 95. Je raconte toute ma vie ou tu me dis quand je m'arrête? On a dit quelques mots pour que les gens pour commencer. Et du coup, voilà. Je suis graphiste freelance et je fais plein de logos. J'adore faire des logos. Et puis voilà. Après, je développerai peut-être un peu plus plus tard. Et je suis en freelance sous le nom de Creative Mind. Voilà. Ok. Et écoute, est-ce qu'on va commencer à regarder ton écran? Donc, il va nous partager ça. C'est bon, on peut le voir. Donc, comme ça, est-ce que tu nous montrerais tes projets, qu'on se fasse une meilleure idée de qui t'es ? Mes projets ? Alors, qui je suis ? Là, vous avez mon compte Behance où j'ai mis un peu tous les projets que j'appréciais le plus, on va dire, puisque c'est quand même bien de montrer ce qu'on aime faire et pas les projets qu'on aime le moins, parce que on en a tous en tant que graphiste quand même. Donc c'est un petit aperçu rapide. Après je rentrerai dans certains projets. Juste ce qui m'a amené à développer, vous voyez que j'ai beaucoup de logos par rapport je fais pas trop d'illustrations, je suis une graphiste mais je suis super nulle en dessin. Du coup j'ai vraiment orienté mon activité principalement sur la création du logo, du branding, et que je décline ensuite sur tout le territoire de marque. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer ? C'est quoi qui te plaît autant dans les logos ? Je crois que c'est le fait que ce soit hyper carré. En fait, je crois que je suis un peu une maniaque du contrôle. J'aime bien quand les choses elles sont cadrées. Et dans le logo, j'aime déjà, en fonction du style qu'on s'approprie, on n'a pas forcément besoin de dessiner, donc c'est aussi un moyen de détourner le manque en dessin que j'ai. Et j'aime bien les choses, ouais, hyper construites, hyper carrées. Par exemple, ce logo, on est la preuve ultime, je pense. C'est un logo que j'ai fait pour l'EDC, l'école de commerce de Paris, la Business School. Et en gros, j'ai travaillé sur... la finalité est quelque chose d'hyper construit, mais dans toutes mes démarches de logo, ce que je fais, c'est que je raconte toujours une histoire. Donc, vous verrez dans les différents projets que je vais vous montrer, j'ai toujours un process où je montre l'évolution et ce qui a fait que je suis arrivée à cette forme-là. Par exemple, ce logo-là, le DC considère que l'innovation, c'est la pierre angulaire du business. Et du coup, j'ai travaillé sur l'idée de diamant, d'élite, de prestige, avec une forme hyper simplifiée qui est un losange. Ensuite, j'ai travaillé sur la notion d'expansion, de flèche, de croissance, parce que quand on intègre une école, on commence à un début et puis on croit, on évolue, on apprend des choses. Et l'idée, c'est de s'ouvrir, là, notamment à l'international. J'ai aussi souvent des travails de typographie, où je viens un petit peu altérer la typographie, parce que ce que je trouve important, c'est d'avoir une typographie qui soit unique. Alors, c'est pas toujours possible. Des fois, il faut d'ailleurs rester sur quelque chose d'hyper simple. Mais quand je le peux et quand je sens que ça apporte quelque chose au logo et au sens,
J'essaye de retravailler la typographie. Et du coup, ça m'amène à un résultat. Et ce résultat est construit sur une grille. Des trucs carrés. Du coup, c'est tout carré partout. J'aime bien quand c'est tout carré, ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir pouvoir créer un logo qui soit vraiment homogène, équilibré et qui n'ait pas de déséquilibre, en fait. Donc, voilà. Et est-ce que ce process que tu nous montres, tu le fais pour chaque logo, pour chaque client? Alors, le process d'expliquer la forme et comment je suis arrivée à la forme, oui. Le process de grille, pas forcément. Ça dépend des logos et des constructions. Il y en a où, concrètement, si je te montre ce logo-là, où es-tu? Bah alors, il est où? Bon. Ça s'appelle le Domaine des Vanneaux. C'est un logo pour un hôtel. Bah, je l'ai sorti, quoi. Oui, alors attends. Attendez. Je l'ai vu ce week-end, je suis allée te stocker ce week-end et il était là. Peut-être il est caché. Bon, Alors bah. je vais le montrer par ici, c'est pas grave, je l'ai ici. Hop. Là, j'ai toujours ce même process de expliquer comment je suis arrivée à la forme, mais j'ai pas le principe de grille. Par exemple, ce logo, concrètement, si on veut travailler sur une grille, c'est hyper compliqué. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, pour ce projet, j'avais une forme imposée qui était le vanneau, donc l'oiseau avec un visuel qu'on m'a envoyé et qui m'était imposé. Ok. Sauf que quand j'ai reçu le visuel, bah mon œil de hyper, Il faut que ce soit carré. il faut que ce soit carré. Hop, il n'était pas hyper content parce que. Je vais te montrer s'il veut bien s'ouvrir. C'était ça la forme. Et tu D'accord. vois que c'est bête, hein, mais les courbes là, elles sont pas parfaites. Si tu prends hop, un petit rond, tu vois que c'est pas du tout rond. Ok. Et du coup, moi, je suis vraiment venue retravailler sur là, par exemple, là, c'était un des essais que j'avais fait sur des formes hyper linéaires, hyper harmonieuses. Donc c'est bête, mais ça fait partie de la construction et du fait de rendre le logo hyper harmonieux, quoi. Oui, carrément. Et ça, les clients, ils sont contents. Ils vont pas te dire, ah non, t'as changé le logo. Comment ils Non, réagissent non, par non. rapport à ça? Non, ils sont hyper contents et souvent je le montre aussi dans mon process, c'est que quand je fais ma presse, par exemple, là, dans le cadre d'une refonte, je montre au client avec les tracés, la superposition des tracés, le changement qu'il y a eu, même si c'est hyper subtil et que peut-être de lui-même il l'aurait pas vu, je montre que c'est quand même plus harmonieux. Et que du coup, ça va créer moins de déséquilibre dans le logo. Ok. Donc, j'ai pas toujours un principe de grille, mais je fais toujours en sorte que mon logo ait des formes hyper construites. Ouais, et du coup, tu as toujours ce même process de concept, Ouais. de décomposer. Alors ça, par Ouais. contre, c'est le... Enfin, je trouve ça cool, montre-nous du coup le résultat, tout le process Ah bah du alors, donc, branding. du coup, là, c'est un logo pour un hôtel de luxe qui est dans le Val d'Oise, qui est un hôtel hyper construit, hyper contemporain. Implanté dans la nature. Donc, il fallait trouver la balance entre un logo qui soit contemporain, qui réponde au code du luxe et une référence à la nature sans être trop gnangnan. Donc, j'ai intégré toutes ces notions. Donc, là, avec l'idée de luxe et de nature, l'idée de bulle et de bien-être avec une référence au golf parce que l'hôtel est lié à un domaine de golf. Donc, le vanneau et voilà le résultat final. Trop marrant. Et après, j'ai décliné sur tout le territoire de marque. Donc le client a tellement adoré son logo, c'est assez drôle, c'est qu'il le met partout, partout, partout. Donc on l'a sur du bois, sur du cuir, sur des chaussons, sur des... Bon, franchement, je crois qu'il n'y a pas un truc de l'hôtel qui a échappé au logo. Mais c'est C'est cool, trop hein? marrant. C'est cool. C'est un peu flatteur en vrai. Il y a une remarque de Clara qui dit, c'est Ouais. impressionnant cet esprit de synthèse, surtout pour un créatif. Ah, bah c'est gentil parce que l'esprit de synthèse, justement, c'est un truc que je considère un peu comme indispensable dans la créa de logo. Parce que souvent, on se perd un peu quand on crée des logos, on essaye d'en faire trop ou de vouloir aller trop loin. Et en faisant des choses trop complexes, finalement, on perd un peu l'essence du message qu'on veut porter. Et du coup, l'esprit de synthèse, c'est vraiment ce que j'essaye pour créer quelque chose de fort, mais de simple à la fois. Ouais, alors je pense qu'on va continuer à regarder un petit peu tes projets et après on va rentrer
dans ton processus créatif. Et je pense que Clara, elle va se rendre compte que c'était complètement dans ton livre. Comment ça s'est... La synthèse, elle se fait à la fin. Mais par contre, le processus créatif, il reste bordélique. Ne vous inquiétez pas. Et c'est juste arriver à un résultat qui soit... qui combine tout ce dont on avait besoin, c'est ça? Ouais. Et donc là, pour ce projet, par exemple, j'ai eu aussi à créer... Alors, attends, parce que ça m'embête, ça fait des surimpressions. Hop. Ben non, pas avec un dollar. Ça, c'est pour plus tard, les dollars. Hop. Donc, j'ai aussi créé des logos en interne dans l'hôtel pour les deux restaurants qu'il y avait. Donc, il y avait deux restos, l'un gastronomique, l'autre un bar-restaurant. Et du coup, il fallait créer des identités qui fonctionnent ensemble, mais qui soient quand même hyper différentes. Donc là, on a le logo de La Plume, qui est un resto gastro, et le logo du Piaf, qui est plus dynamique en fait, plus jeune, plus dynamique, plus dans le mouvement, et qui est juste un bar-restaurant avec des soirées live. Et je pense que ça transmet bien d'un côté la délicatesse et de l'autre le dynamisme. Et pour ceux qui habitent pas loin du 95, c'est canon pour y aller. Déjà pour aller voir tous ces logos magnifiques en vrai, ouais, partout. Ça, c'est son avec tes logos. Et du coup, ça c'est hyper cool en fait, parce que c'est un client que j'ai eu. Et je trouve que quand on est freelance, c'est un peu compliqué parfois de se d'accéder à certains clients qui sont un peu qui vont un peu privilégier des grosses agences ou des vraies sociétés en général. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai pu rentrer en contact avec ce client, qu'il a été convaincu par mon travail sur le logo, et que du coup, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur sur toute sa com, et ça, c'est hyper gratifiant pour le coup. Donc trop là, bien. J'ai fait le packaging d'un pot de miel trop cool qui est fabriqué à l'hôtel, avec des petites illustrations. Je sors de ma zone de confort, j'essaye de. Ah, c'est toi qui as fait les illustrations? Ouais. Bah, c'est trop bien. Parce que je pensais que tu avais pris du coup des images de stock ou que tu avais fait appel à d'autres illustrateurs. Non, ça m'arrive de prendre des images stock. Ça m'arrive hyper souvent. Quand je me sens en mesure de le faire, je le fais. Mais, et puis ça dépend aussi du budget qu'a le client. Si, vu que je suis pas une pro, enfin une pro, je suis pas spécialisée dans l'illustration, il faut pas non plus que ça me fasse perdre un temps fou sur le projet et que ce soit du coup à perte. Donc je réfléchis aussi toujours à le client a investi tant, est-ce que je prends le temps de créer quelque chose d'unique pour lui ou est-ce que je vais sur une longue image? Mais quand je peux le faire, ça m'éclate aussi d'intégrer un peu d'illustration. On a fait aussi des affichages pub, des encarts presse et des supports Facebook pour annoncer des leurs live sessions qui sont tous les vendredis soirs, qui étaient tous les vendredis soirs. Trop cool. Ouais. Donc il y a vraiment, toi tu gères la base, c'est le logo si je comprends bien, et après tu déclines tous les supports de communication de la planète possible, y compris les chaussons. C'est ça. Et pour ça en fait je travaille. Ce qui est cool, c'est que je fais partie d'un réseau de networking. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça s'appelle le BNI. Et ce qui est top, c'est que ça m'a permis d'avoir aussi plein de contacts, d'agrandir mon réseau. Et d'avoir des partenaires de confiance. Par exemple, toutes les impressions, je le fais avec un imprimeur local. Je passe pas en ligne avec des imprimeurs comme Exaprint ou Pixar Printing qui sont très bien sur des petites demandes, mais quand on a des clients importants, c'est bien de pouvoir travailler sur du local et où on est sûr de la qualité, quoi. Ouais, carrément. J'ai des web designers, enfin des intégrateurs, parce que moi je fais le design mais pas l'intégration. J'ai des personnes qui font tous les objets marqués, par exemple des étiquettes, du marquage sur du bois. Enfin, j'ai vraiment vraiment tout, et ça c'est important, je pense, de bien s'entourer, parce que finalement, si on sait créer mais que on n'a pas après les outils pour aboutir le projet tel qu'on l'a imaginé, bah il y a que la moitié du travail qui est fait, quoi. Ouais, carrément. Je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire. Mmh. Et du coup, vraiment, c'est toi qui gères le truc de A à Z. Même les gravures sur bois, c'est toi qui vas être en charge de ça. Bah moi j'envoie le fichier à la personne. Ouais. J'ai mon presta, j'envoie le fichier. Mais voilà, t'as le presta, t'as les gens, tu gères. Après tout ça truc. Dépend des clients et aussi du prestataire.
Parfois, je fais passer le client en direct parce que je fais jamais de marge sur les prestats que je fais intervenir. Souvent, enfin, Ouais. c'est vraiment des personnes de confiance. L'idée, c'est de se renvoyer la balle. Donc, souvent, je leur file le contact en direct quand le client veut être en direct. Ou sinon, je fais toute la gestion du projet. Ouais. Trop bien. Et je travaille aussi avec notamment une chef de projet qui est trop bien. Je sais pas si elle est là, mais elle est trop cool. Et là, pour le coup, c'est elle qui est en charge du client. Elle fait tout le brief avec eux, tous les retours clients, etc. Et moi, je me concentre vraiment sur la partie créa. Et ça permet aussi d'aller un peu plus loin, un peu plus loin, parce que bah, finalement, on perd quand même moins de temps dans les allers-retours clients. C'est bête, mais c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, moi je propose qu'on continue à regarder tes projets, qu'on voit un petit peu Ouais. ton univers créatif. Et j'ai une question à poser aux gens qui nous regardent dans le chat. Voilà, comme je vous ai déjà dit un petit peu, on concocte les sessions pour l'année prochaine et je pense qu'il va y avoir des journées où on aimerait bien parler un petit peu plus de rapport client, de business, de choses comme ça. Et là, enfin, Mélissa, elle est vraiment, vraiment dans le dur là. D'habitude, on est un peu plus créatif et tout. Est-ce que ça vous intéresse, voilà, de parler de présentation client, d'aller-retour, de choses comme ça? Je pense que c'est même d'argent, de réseautage. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous avez des questions là-dessus. Voilà, je pense que c'est le moment. Allez, moi je suis C'est prête pour ça. regarder d'autres choses. Attends, je regarde si on a des messages. Voilà, bah, bonjour à Stella, bonjour à Marc qui a relevé une petite erreur, mais on l'a corrigée. Franck dit beau site et belles images, c'est bien. Merci, Franck. Et Backing Track Day demande, le processus de création débute toujours par du noir et blanc ou du niveau de gris? Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse le processus de création un petit peu plus tard et on Bah, s'y met maintenant? je vais montrer ce projet et je vais montrer son processus de création. Ah bah Comme ça, parfait. on pourra avoir les deux. Et oui, je commence toujours, toujours, toujours par du noir et blanc. Déjà parce que je suis plus à l'aise avec le noir. Et parce que pour moi, la couleur, même si c'est hyper important et que ça aide à porter le message, c'est secondaire. Okay. Alors après, je sais qu'il y a des créas qui commencent par des palettes couleurs et qui après font les logos, cherchent les typos. Pour moi, la base, c'est vraiment la forme, la typo. Donc vraiment en noir et ensuite je pars en couleur. Et pourquoi je mets toujours mon process en niveau de gris, c'est que pour moi la couleur doit pas servir la forme. Là ce que je veux montrer dans ce process-là, c'est l'importance de la forme et comment j'ai intégré la forme pour donner du sens à mon logo. Donc ce projet par exemple, c'est un projet qui est énorme et que j'aurais jamais pu avoir toute seule. C'est bah, la chef de projet dont je vous parlais qui m'a mandatée pour répondre avec elle à un appel d'offres pour l'office de tourisme Grand Roissy qui rassemble plusieurs communautés dans le Val d'Oise. Et du coup, on a participé et gagné l'appel d'offres. Donc c'est trop Ouh. bien. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment que aussi à deux, en ayant un regard extérieur, puisque en tant que graphiste, c'est hyper important de montrer son travail et d'avoir un œil externe, puisque souvent, quand on a trop la tête dans le logo, on voit plus. Enfin, moi, ça m'arrive plein de fois d'avoir des logos où je vois pas qu'il y a des choses cachées. Et il faut surtout pas que je montre ça aux clients. Pauline, c'est de quoi je parle. Et du coup, bah, ce projet, typiquement, c'est trop bien parce que on a travaillé vraiment en binôme avec l'œil de la chef de projet qui m'a fait évoluer et qui m'a amené vers des pistes que je ne voyais pas forcément. Ouais, carrément. Mais ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Je rebondis Ouais. là-dessus, c'est que n'hésitez pas à partager votre travail avant de le poster sur les réseaux ou les clients et tout, parce que parfois, il y a des choses, en fait, on a la tête dedans et on voit pas. Donc pour la petite anecdote, il y avait Mélissa qui bossait sur un logo chat. Et je pensais, j'ai regardé, j'ai fait, mais ça ressemble à une paire de fesses. Ça Et fait, moi, j'avais ah tellement la tête oui. dedans que je voyais pas quoi. Donc Ou c'est même toujours pas mal. retourner son logo des fois. Genre retourner son écran pour regarder son logo, ça marche pas mal. Des fois, on découvre des choses assez Alors des fois c'est impressionnantes. un peu rageant parce que tu viens de bosser 4 heures Ouais. sur un logo et on te dit que ça ressemble à un cul, mais Mais c'est mieux que important, ce c'est soit mieux un que autre ce soit créa qui moi te que le le dit. client Ouais, qui c'est dise ça. ça. Ouais. Exactement. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je serais curieuse de savoir ça. Ah ouais, non, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, si vous avez des fun Non. facts, je veux les savoir, quoi, je veux les connaître. Vous montrerai mon pire logo après.
Bon, c'est pas vraiment mon pire logo, c'était mon pire sujet. Allez, Du coup, écoutez, à tout de suite. pour ce logo, par exemple, j'ai travaillé sur la notion d'orientation qui est hyper importante quand on parle d'office de tourisme, de rassemblement. Et en fait, c'est toujours, j'ai créé mon logo à partir d'une même forme, qui est cette flèche. Donc, cette flèche que, en orientant différemment, en décomposant, en changeant les couleurs, on arrive à quelque chose, une forme finale qui est ici, qui me faisait penser à la rose des vents, et je trouvais ça en fait hyper intéressant de penser à la boussole, à la rose des vents, et finalement on était complètement dans le tourisme. Et en plus, je me suis dit, bah, ces petites pétales là, elles sont hyper cool parce que j'ai quatre grandes thématiques dans mon logo, qui sont la culture, la nature, le maïs et le patrimoine. Et du C'est coup, quoi je voulais avoir maïs? une couleur. Maïs, c'est le business, c'est en gros à tous les événements professionnels. D'accord. T'as un séminaire, bah, tu vas dans cet hôtel là. OK. Et ensuite, j'ai décliné, bah, pareil, sur tout le territoire graphique en voyant comment je pouvais me servir de ces symboles que j'ai créés dans l'intégralité de la marque. J'ai créé une bibliothèque de pictos aussi. C'était la première fois que je faisais ça. OK. Et c'est assez cool. Oui, du coup, ça fait 3 fois que tu nous dis que t'es pas illustratrice, mais c'est le Non, moment mais des illustrations et des pictos et tout, ouais, quoi. mais je dessine pas. C'est toujours D'accord. hyper géométrique et hyper carré. Ouais, mais bon, tu vois, la manière, peu importe au final. Oui. Et mise en Trop cool. page d'une brochure. Ouais, du coup, encore un projet hyper complet, quoi. Ouais. Et du coup, ça, je peux vous montrer si tu veux le process. Est-ce que je l'ai ouvert? Ah, alors attends, j'ai vu qu'il y avait sur ma question si ça vous intéressait de faire plus de business, de rapport client, de tout ça, on a l'unanimité, je crois. Hein. Virginie qui nous dit ah oui, carrément, Anne qui crie oui, ça nous intéresse. Et Mélissa, elle aura toutes les réponses. Greg dit très bonne idée d'avoir des sessions réseautage, parcours client, etc. C'est vrai, je pense que surtout en France, ça manque beaucoup. Puis je pense que l'année prochaine, on va en avoir sacrément besoin. Donc, Grave. Voilà. Marc qui dit toujours intéressant la gestion de projet, etc. Émilie, ce serait super intéressant. C'est une partie du métier qu'on aborde moins. Du coup, ce serait super. Et Franck dit, est-ce que l'auteur du logo du CNRS est avec nous? Ah, il y a quoi de caché dans le logo du CNRS? Je le visualise pas. Attends, on On va aller ira le voir ça. regarder, Logo apparemment. Ah. CNRS. Bon, ah! C'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais. Bon, je vais pas ouvrir la page des pires logos, je pense qu'on les a tous en tête, mais le curé et l'enfant, tout ça, tout ça. Alors, voilà, donc j'ai Enfer. l'air d'une meuf hyper organisée, mais en fait, ça, c'est mes planches de travail. Donc, oui, pardon, dans mon process, j'en ai pas parlé, mais je commence toujours par 4 ou 5 heures de veille créative sur chaque logo. Donc, par exemple, ce logo-là, j'ai passé franchement facilement 5 heures ou 6 heures sur Behance Instagram à prendre les éléments graphiques qui pouvaient m'intéresser. Et après, à partir de ça, je crée des choses, des. Donc là, j'ai intégré un peu de couleur, mais on voit quand même que la plupart des éléments sont noir et blanc. Je fais un gros travail de recherche typographique aussi. Le site MyFont, c'est mon meilleur ami. Et souvent, j'essaye de, bah, je l'ai déjà dit, je crois, de faire en sorte que les typos soient uniques. Ouais. Hop. Donc tu pars d'une typo et tu les rebidouilles après? Quand Ou tu crées pas des typos? toujours, pas toujours. Par exemple, là, si tu vois, c'est une typo qui est hyper simple, mais il n'y avait pas besoin d'aller sur de la fioriture, enfin sur de la modification, parce que tu as une composition typographique sur deux lignes qui rend déjà le logo hyper hyper complexe. Enfin, pas complexe, mais Oui, il se passe déjà plein de choses. ouais, c'est ça. Ok. Voilà, donc c'est un peu le bazar. Là, on a la recherche que j'avais, et en fait, ça, hop. C'était inspiré de toutes ces formes-là que j'ai vues et qui me faisaient penser au carrelage Trop bien. dans les châteaux, enfin, en gros, au carrelage qu'on peut retrouver au sol. Et je me suis dit, bah, faudrait s'inspirer de ça pour recréer un logo, en fait. Ah, c'est cool. Et est-ce que tu Oui. partages à tes clients cette phase de recherche là, tu vois, le carrelage, le tout ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est hyper intéressant. Eux, ils voient juste le résultat, ils disent, ouais, elle a mis 2 carrés ensemble. Mais ils se Alors. rendent pas compte de toute la Oui, recherche. je le partage, par exemple, enfin, je le partage pas toujours, en général, je le fais. Par exemple, là,
j'ai mis toutes les formes qui ont pu m'inspirer. Ok. Et qu'on va retrouver plus loin dans ma presse. Alors, parce que je fais toutes mes presses sur, sur Illustrator, toutes mes créas de logos sur Illustrator. Donc ça, c'est ma première phase de recherche. Voici. Ensuite, je fais une logo select. Hop. Alors, je regarde en même temps les petites remarques sur le chat. Alors, Céline dit très malin de commencer par un logo en noir. Respect pour les pictos. Diana dit best team, Mélissa et Pauline. Clara dit très bonne idée, le réseautage cross-métier. Ouais. C'est ce que tu disais avec les imprimeurs et tout, c'est hyper important. Alors, j'ai une question intéressante de Backing Track Day. Faut-il user de beaucoup de pédagogie avec les clients peu ouverts à la culture artistique? Ah, Celle-là, elle est hyper l'éducation du importante. client. Ouais. L'éducation du client, ouais, c'est hyper, c'est vraiment le cœur de notre métier et parfois c'est compliqué. Enfin, franchement, souvent j'y arrive. Souvent j'y arrive et souvent les clients. Je pense aussi qu'on attire un peu les, comme dans la vie, on attire les gens qui nous ressemblent. Je pense que dans le business, on attire les clients qui nous ressemblent ou en tout cas, je fais en sorte de ne pas travailler avec les clients avec lesquels j'ai pas envie de travailler. Honnêtement, un Ok. client que je sens pas et où je sais qu'on sera pas en accord. Alors pas que je réponde pas à son besoin ou que il aime le rose et j'aime le noir, mais un client qui me dit, bah je vais vous répondre en image. Un client qui me dit, je veux un logo avec un cochon et je ne changerai pas d'avis. Je veux mon logo avec mon cochon. Je suis désolée, président de Valégrin, si tu nous regardes. Mais ça, c'est le pire sujet que j'ai pu avoir, c'est que j'avais ce logo-là. Il fallait que je l'amène à un grade au-dessus. Donc, ok, super cool. Bah, c'est pas parce qu'on vend de la charcuterie qu'on doit montrer un cochon. Ça, c'est ma démarche. Mais non, le client voulait un cochon, donc j'ai dû répondre aux besoins du client et faire un cochon. Donc, j'ai travaillé sur différentes représentations du cochon. Voilà. Le cochon. Il y a des petits museaux. Ouais, il a un petit museau et une petite queue en tire-bouchon pour dire, voilà, peut-être qu'on peut. On peut feinter un peu le On truc. peut feinter un peu le cochon, peut-être, non? Voilà. Donc ça, c'était mon pire projet. C'est un projet sur lequel je n'ai pas réussi à éduquer mon client. Mais l'éducation du client, ouais, c'est hyper important et il faut savoir l'amener vers, vers ce qui est le mieux pour sa marque, en fait. Parce que finalement, le client qui arrive en disant, bah, moi, j'adore le noir et blanc et j'adore, ou alors j'adore les paillettes et, je sais pas, j'adore mon chien. Il y a des clients comme ça. J'adore mon chien, du coup, je veux que ce soit mon Regarde, il y a logo. ma petite nièce, elle a dessiné mon chat. Est-ce que tu peux le mettre dans le Mais logo? c'est ça. Mais non, pas du tout, parce que tu es un traiteur, donc je vais pas mettre ton chien pour ton logo, ça n'a pas de sens. Et donc là, il y a vraiment un travail d'éducation du client où il faut lui dire, je comprends. Il faut toujours être dans l'empathie aussi, dans le je comprends, enfin bien se positionner, je comprends ta démarche, l'importance de cette image pour toi, mais par contre, par rapport à ton positionnement, par rapport à ta cible, il faut penser à tes clients, à l'image que ça va véhiculer pour ta société, pour ta marque, etc. Et du coup, il faut répondre aux attentes de ces clients-là. Et souvent, ils arrivent à écouter cet argument-là. Et du Ouais. coup, on peut faire passer des choses. Alors après, en France, c'est pas une critique des Français, mais en France, les clients sont quand même moins ouverts à la créa libre et un peu folle dans tous les sens. Ok, J'ai parce que du coup, travaillé. tu compares par rapport à où? Alors j'étais à Sydney, Alors, j'ai travaillé pendant. vire-nous ce cochon et mets-nous des beaux projets de Oh, ciné. ça va, le petit cochon. On est fan du cochon dans le chat, hein. On est fan, il est sympa le cochon. Oui. Les projets de Sydney, ils sont un peu vieux, donc je sais pas si je les ai. Bon, je vais mettre celui-là. En gros, je suis partie quand j'ai fini mes études à l'école de Condé. C'était trop bien, moi j'adorais mes études. Je sais qu'il y en a plein qu'on détestait, moi j'ai adoré. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail puisque j'avais une formation exclusivement print.
Et du coup, j'ai intégré une agence web avec une amie où c'était hyper cool, on gérait plein de projets, plein de sites internet et tout. Mais je me perdais un peu en créa parce que finalement, je faisais du site internet à la chaîne et je perdais un peu l'essence de ce que j'aimais. Et du coup, un jour, j'avais pété un câble et j'ai dit, bon, bah, je me barre au soleil, en Australie, avec mon chéri. Donc, on est parti à Sydney. Et l'idée, c'était pas de voyager, mais vraiment d'intégrer une agence hyper rapidement pour travailler. Et j'ai intégré une agence qui s'appelle Made, qui était une agence globale 360 où on faisait du print, du web et on partait vraiment du logo. Et c'est là où je me suis dit, bah, par exemple, ce logo-là, c'est un logo que j'ai créé pour un complexe immobilier. Un complexe immobilier qui donnait sur un lac, machin. Et les créas des brochures sont hyper épurées. En France, si on regarde les brochures Nexity, enfin, toutes les brochures immobilières, ça Ah ressemble ouais, pas c'est du tout à vilain. ça. Ouais, tout de suite. Ça ressemble pas du tout à ça, alors que là, c'est hyper épuré. Et là, ce que je vous montre, c'est vraiment les créas qui ont été validés. C'est Ok. C'est pas pas un bon, bah, j'ai projet choisi de perso. mettre ça. Non, non. C'est vraiment les créas validés par le client. Oui, là, on dirait un truc d'architecte, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est hyper cool de se dire que finalement, bah, on peut faire des choses épurées, on n'est pas obligé de mettre des tartines de texte partout, et les clients sont aussi sensibles à l'histoire. Et en fait, c'est un peu cette agence qui m'a donné le déclic, de me mettre à mon compte en rentrant en France, parce que je me suis dit, bah, finalement, je suis arrivée en Australie, le boss m'avait tout de suite fait hyper confiance, genre j'allais présenter des logos alors que je n'étais pas encore complètement bilingue. J'allais en agence toute seule présenter des logos qui vendaient 10 000 euros, 20 000 dollars. Et du coup, je me suis dit, bon, t'es gentil, hein, mais tu vas rentrer chez toi. Et c'est toi qui vas aller vendre tes logos. Bon, je ne les vends pas 10 000 dollars encore, hein, peut-être un jour. Mais ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et de me dire, bah, tu as une force, hein, tu peux être persuasive, tu sais défendre un projet, tu sais l'expliquer, tu sais le créer, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire, quoi. Ouais, ça c'est une super bonne remarque en fait. J'avais déjà eu une des photographes qui a eu ça, qui était dans des studios et leurs photos elles étaient vendues 8 000 euros par le boss et eux tout seuls ils étaient incapables de vendre leurs photos plus de 200 euros et du coup en fait on se rend compte que bah, c'est le travail il est là, la qualité elle est là et c'est vraiment sur soi et sur l'aspect C'est ça. voilà, il y a plein d'aspects, voilà, Après, l'aspect business, l'aspect confiance en soi qu'il faut travailler, ouais. ah bah la confiance en soi. Après, on n'est pas une agence, on n'a pas les frais d'une agence et tout, donc ça Ouais, carrément, ouais. on peut pas se comparer et facturer de la même façon, mais en tout cas, il faut savoir qu'on est capable de le faire et de se débarrasser du syndrome de l'imposteur. J'ai demandé une session syndrome de l'imposteur pour l'année prochaine. Ah, mais bah, Dites-moi si ça vous intéresse. moi je suis frums, hein, je peux faire tout ce que tu veux, si Alors, attends, veux. excuse-moi, j'ai vu une petite question passer. Alors Pierre dit, c'est très important d'avoir de bonnes notions humaines, c'est clair. Timothée dit, en fait, illustrateur, c'est aussi psychologue. Illustrateur, c'est psychologue? Ouais, graphiste, c'est aussi être C'est un peu psychologue. psychologue, ah ouais, oui, bah ça dépend des clients. Mais moi, les clients où je sens qu'ils ont besoin d'un psy, je m'en éloigne. Ça me fait fuir vraiment. Ok. Ouais, mais oui, mais par contre, moi, je sais que genre ça m'est arrivé de faire pleurer les clients. Et ça, c'est bon. Alors, c'est une cliente qui est hyper hyper sensible à la base, mais quand je lui ai envoyé son logo, elle m'a appelée. Elle était vraiment hyper émue parce qu'elle me dit, mais c'est fou, t'as vraiment réussi à transcrire l'essence de ma marque dans un logo, c'est hyper cool. Enfin, et j'étais hyper touchée parce que moi, quand j'envoie un logo, j'ai toujours hyper peur. Genre, j'appuie sur envoyer et puis après, je vais me cacher sous ma couette pendant 3 heures en disant, mais il n'a pas encore répondu, c'est que ça va pas, ça lui plaît pas, tout va mal. Ouais. Et en fait, elle m'appelle. Donc là, je me suis dit, oh là là, c'est encore pire que ce que je pensais. Et au final, non, pas du tout, c'était trop cool, elle était trop contente et tout. Mais du coup, c'est un peu le truc du psy où on arrive à mettre des images sur des mots. Ah, Ouais. c'est cool, c'est intéressant. Alors, bah tiens, montre-nous un autre projet et pendant que tu cliques dessus, j'ai une autre question pour toi. Timothée demande, est-ce que le client peut donner son avis au fur et à mesure de la création? Pas dans mon process à moi, parce que
Après, Alors, là, donne tu nous ton montres avis. les projets finis, mais Oui. tu, avant de terminer le truc, il voit déjà le logo, il choisit déjà son Ouais, logo. bien sûr. Attends, je vais vous montrer ce que je montre. Pardon. J'ouvre juste un truc et je vous réponds en même temps. Opéra associé. Voilà. Là, je crois que le syndrome de l'imposteur, il faut qu'on la fasse en session aussi. Et à Winpink, Design Studio dit énorme ce syndrome du j'envoie et je me cache sous ma couette. Non, mais C'est c'est tellement clair. ça. Franchement, je le fais moins parce que j'ai moins le temps de le faire. Oui. Mais avant, c'était clairement ça. Donc, C'est il y a pas que tu tout. veux plus, c'est que tu peux plus. C'est que Et je en peux plus, plus, c'est c'est bon. ça, j'ai plus le choix, quoi. Donc, il y a tout le process créatif que je vous ai montré sur Illustrator. Après, j'ai ma phase de sélection où je sélectionne les 5 meilleurs et je laisse reposer un petit peu. Toujours, je les laisse reposer. Voilà, Franchement, vérifier qu'il n'y a pas une paire de fesses cachées, quoi. au moins une demi-journée ou sinon quand je le peux une journée pour revenir dessus parce que souvent avec du recul on voit des choses qu'on voyait pas sinon et ensuite je prépare ma presse qui est toujours plus ou moins construite de la même manière. Je la prépare sur InDesign où j'ai mon logo et alors c'est pas la meilleure presse là parce que bon bref là j'explique le principe créatif ici mais en vrai, c'est souvent plus développé. Et du coup, je présente toutes mes options de logo qui sont déclinées sur des mock-ups pour que le client puisse se projeter avec l'explication du concept. Donc, le client reçoit cette presse-là et bien sûr, à partir de ça, on échange, on se fait des retours, on fait évoluer les formes. L'idée, c'est de lui donner de la matière, de laisser réfléchir, de laisser aussi un peu digérer ce qu'il a reçu parce que souvent, on sort un peu de ce qu'il attendait, ou on va plus loin, et du coup, c'est important qu'il ait un temps de digestion pour prendre le recul de. Souvent, un client qui répond à chaud, on est sûr que 2 jours après, il change d'avis. Enfin, moi, ça Ok. m'arrive souvent d'avoir un client qui me dit, ah, c'est super, j'adore le numéro 3. Et avec du recul, bon, en fait, ce sera le 5. Ok. Et t'envoies combien de logos sur une presse? En général, 5. J'en D'accord. ai toujours au minimum 3. Quand je sais pas si c'est quand le sujet m'inspire moins ou quand il y a parfois où il y a des pistes qui sont évidentes et du coup ça sert à rien d'aller dans tous les sens. Mais en général, j'arrive toujours à 5. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un maximum que tu conseillerais? Alors, je sais qu'on avait parlé, je sais plus qui on avait reçu. C'était un directeur artistique belge. Là, c'était hyper cool. Et lui, par exemple, il disait, j'envoie deux logos. Ok. Tu vois, c'est ça ou ça. Ouais. Alors, moi, je pense que j'ai tendance à en envoyer 5 parce que j'ai ce petit syndrome de l'imposteur et que je me rassure en faisant plus. D'accord. En envoyant moins, je ne serais pas crédible et aussi, il faut. Enfin, moi, typiquement, un logo, je le vends en moyenne. Alors, ça dépend du client. Je le vends minimum 600 euros. Et ça peut aller jusqu'à 1 200, 2 000 euros. Ok. Donc, il faut aussi que j'ai le sentiment que le client de l'autre côté, il va recevoir un logo qui soit à la hauteur de ce qu'il paye. Ok. Et du coup, je me sentirais pas à l'aise d'en envoyer que deux. Je sais D'accord. que si c'est un logo hyper canon, machin, il n'y en a besoin que de deux peut-être. Hein. Mais Ouais, moi, il faut que j'en carrément. envoie 5. Et bah, tu dis que tu en envoies 5, mais combien t'en fais en vrai sur ta planche Illustrator de la folie là? Tu vois? Pour qu'on se rende compte en fait que à la fin, t'as un truc qui est hyper simple et qui paraît évident, mais en fait le process. Là par exemple, si je vous Ah montre. oui, ça c'était cool. Attends, hop. Si je vous montre ce logo-là, qui est. Moi je l'aime beaucoup ce logo, je le trouve hyper élégant. Bon, je m'envoie des fleurs à moi-même. Il faut, c'est important. Ce logo-là, j'ai eu un process de créa qui était hyper long parce qu'il y avait. C'est 3 associés, donc il fallait réussir à répondre aux 3 personnes, enfin à répondre aux besoins et aux attentes de chaque personne. J'ai fait un gros travail de recherche de sigles. Donc là, c'est mes planches de recherche où on voit que pour par exemple une même idée d'esperluette, je vais faire 50 essais, quoi. Ah, Enfin, c'est c'est hyper cool. subtil, hein, c'est hyper subtil. Là, j'ai déplacé la flèche.
j'ai changé l'espacement dans le carré noir. Enfin, On dirait le jeu des 7 différences, tu sais. c'est ça. Non, c'est hyper subtil et du coup, des fois, on a l'impression qu'on, genre, mais pourquoi ça t'a pris 5 heures? C'est hyper simple. Oui, bah pas tant que ça. Ouais, la simplicité, c'est l'enfer. C'est ça, la simplicité, c'est hyper long, mais c'est un bel aboutissement. Donc on voit que y a Attends, tout ça là, c'est le même projet qu'on voit tout depuis tout ça, à c'est le l'heure. même projet, ouais. Après, c'était un projet un peu, franchement, c'était un projet que j'ai un de ceux que j'ai le plus poussé. Ok. Mais parce que j'ai vraiment apprécié. Et puis encore une fois, c'est un projet que j'ai bien facturé. Et du coup, moi, je m'investis aussi à la hauteur de ce que le client paye. Ouais, carrément. Il y a une bonne amie qui m'a dit un jour, plus pour plus, moins pour moins. Ah oui, c'est Si ça. le client veut payer moins, et ben il aura un petit peu moins de choses. Voilà. Ouais, faut mieux lui donner plus de choses que lui faire une réduc. Ça, c'est Voilà, la règle. c'est ça. C'est une règle que j'essaie d'appliquer. Je peux pas rajouter quelque chose dans le package que de baisser mon prix. Et ça, c'est hyper important. Ça permet pas d'évaluer votre prix. Et vous Ouais. lui donnez un petit truc en plus, donc il a quelque chose en plus en fait. Voilà, il faut qu'on fasse des débats là-dessus sur comment demander de l'argent et tout. Là, j'ai un logo chat. Voilà, Franck dit la différence entre travailler au minimum et travailler minimaliste. Ah bah ça c'est ouais. Et alors attends, je regarde ce qu'on a comme commentaire. Ah, j'ai une question, j'ai plein de questions intéressantes. Merci pour toutes vos questions. Alors, donc Franck nous a envoyé la session de Antoine Pilette, et il me semble que c'était ça. Alors, Anne demande, est-ce que c'est 5 logos très différents ou 3 logos et plusieurs versions? Non, en général, c'est 5 logos très différents. C'est pas une déclinaison d'un logo. Ok. Je sais pas comment je pourrais vous l'illustrer. Et alors, Stella dit, j'envoie toujours au moins 3 logos, mais un qui est vraiment moins bon pour mettre en valeur les deux autres. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aurais pas peur que ton client il prenne celui que t'aimes pas trop? Bah, c'est un peu dangereux en vrai, hein. Ouais. C'est un peu un pari dangereux. Alors après, il y a ne pas l'aimer et ne pas y croire. Si c'est un logo auquel je crois pas du tout, qui fonctionne pas pour moi, je l'envoie pas. Si c'est celui que j'affectionne le moins, bah je l'envoie parce que il y a aussi une histoire de goût qui rentre en jeu et du coup, faut savoir se dire que tous les goûts sont dans la nature et que bon, bah, peut-être que le client aimera plus ce logo-là. Ouais, oui, du coup, il faut faire D'où la différence l'importance entre aussi. il marche Oui. pas et tu l'aimes pas trop, Ouais, mais c'est en fait, ça. il marche quand même. Ouais, un logo qui fonctionne pas, je l'envoie pas. Un logo que Ok. j'aime pas, bah des fois aussi en le montrant autour de soi, il y en a qui vont l'adorer alors que moi je le déteste. Donc c'est aussi important. Moi ça m'est arrivé de montrer des logos à d'autres graphistes, à ma mère, à mon mec, et qui me disent alors là celui-là pas du tout et celui-là ouais carrément. Alors que c'était pas du tout mon avis. Donc comme quoi c'est important d'avoir des avis extérieurs et Ah bah du coup, ça me fait rebondir sur la question de Clara qui demande, est-ce qu'il t'arrive de montrer tes logos à tes enfants, ton mari, pour vérifier que le message est évident? Ma fille, ça m'est arrivé. Ma fille, ça m'est arrivé. Et du coup, c'est un logo que j'ai pas présenté parce que c'était censé être hyper évident, genre typiquement un chat. Et elle m'a dit, je sais pas, c'est un éléphant, Alors, genre, ok. ta fille a 3 ans, pour Ouais, remettre le contexte. mais un Ouais. logo, il faut que ce soit hyper simple et percutant. Si ma fille de 3 ans, elle comprend pas, bon, alors qu'elle est hyper intelligente, enfin, c'est ma fille, donc. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est oui ça m'arrive de le montrer alors à mon mari pas trop je lui montre pas trop mon travail je crois que je suis assez pudique en vrai je suis assez là c'est un vrai exercice de ce live là mais non je lui montre pas trop et puis j'essaye aussi de me sortir un peu du travail mais dans le cadre d'une journée de travail les personnes que je croise je leur montre. Ouais. Mais en tout cas, ouais, non, mes logos sont hyper différents. Ça m'arrive d'en avoir que j'aime pas, dans lesquels je crois pas forcément, mais je me dis, bon, bah, ça peut fonctionner. C'est trop bien. On a plein de questions sur les logos, ton process et tout. C'est hyper cool. Pierre dit, c'est impressionnant de productivité. Bravo. Ah, merci. Et on a une question de Timothée. Alors attends. Non, c'est pas une question. Alors attends. Ça doit être compliqué de réussir parfaitement un premier logo et de devoir en faire d'autres qui seront moins bien. Je pense que c'est le premier qui est
toujours génial ou c'est le process qui fait que ça m'étonne? Non, c'est le process parce que finalement, vu que dans un logo, tu abordes des thèmes qui sont différents. Enfin, moi, je définis mes axes de création avant toute chose. Donc, je me dis, je vais créer un logo sur, je sais pas, un exemple, sur l'idée d'orienter, sur l'idée de rassembler, sur l'idée de d'étendre. C'est des notions, mais l'idée, c'est à partir de ces notions-là, on va pas du tout créer les mêmes choses. Par contre, c'est vrai que dans un même axe, c'est compliqué. Il y a un moment où on est un peu limité. Et en même temps, quand on prend le temps de pousser vraiment plus loin, genre si on travaille un logo pendant 2 semaines, alors c'est impossible. Hein. Enfin, en tout cas, si vous avez le budget pour travailler, ça dépend du budget, quoi. Ouais. C'est ça. Si vous avez le budget pour travailler pendant 2 semaines, c'est trop bien. Mais si on travaille pendant 2 semaines, ce que je pouvais faire en agence avant, on arrive à des résultats qui sont, quand on regarde le premier logo qui nous semblait trop bien et celui qu'on envoie au final, il y a eu une progression qui est incroyable. Donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter au premier, même s'il nous paraît incroyable. J'ai une petite vidéo d'une évolution d'un même logo pour vous montrer que à partir d'une même forme, il y a 1 milliard de possibilités. C'est trop cool. C'est un même chat et en fait, l'idée, c'était de voir comment on pouvait lui faire communiquer des émotions différentes ou un style différent. Et en fait, on se dit qu'il y a 1 milliard de possibilités et que la création, elle est infinie dans différents styles. Ouais, et en plus, là, il est plutôt dans le même style. Et même dans le même style, il est... Ouais. Il y en a plein, quoi. Ouais, il s'excite c'est un peu. C'est trop marrant. Et ça, c'est le client qui est venu en te disant « on veut un chat ». C'est le client qui est venu en me disant « on veut un chat ». Donc ça, c'était ma contrainte, sachant que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas dessiner, quoi. Je suis pas dans l'illustration. Ce que j'aime le plus, c'est les logos typographiques hyper simples, hyper épurés ou abstraits. Mais bon, là, le client voulait un chat, c'était son brief. Donc je me suis dit « ok, challenge accepted, je vais faire un chat ». Et ça c'est autre chose. Et du coup, c'est comment faire en sorte que ce logo chat ce soit pas un logo chat chiant, quoi. Oui, on est déjà vu sur internet millions de fois, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. C'est vrai que j'ai déjà fait un logo chat aussi. Ouais. Je regarde. Alors, on a une petite question de Backing Track Day. Je te laisse nous ouvrir un projet en même temps. Comme ça, on a une image jolie à côté de nous. Belle image. Alors, Il demande, concernant le droit d'auteur, comment fonctionnait? Ça marche comment quand tu as des clients, des logos et tout? Le droit d'auteur, il est tout bon graphiste est censé normalement... Alors, pour avoir les droits d'un logo, on est censé envoyer le logo dans une enveloppe solo, se l'envoyer, machin, avec la date qui fait foi que cette création est de nous et qu'elle est datée, qu'elle est à telle date. Comme ça, si on est copié un jour, on peut, avec ce document, faire foi du fait que ça nous appartienne. Ensuite, le droit d'auteur, c'est quelque chose qui nous appartient toujours. Alors, j'ai pas envie de dire des énormités parce que je suis pas hyper calée en droit. Du coup, tu sais quoi? Je vais rebondir et je vais te dire qu'on peut l'ajouter dans la liste des sessions qu'on peut faire l'année prochaine. Le syndrome de l'imposteur. Je crois que vous avez déjà essayé de l'envoyer, de l'inviter, mais Julien Moya. Ok. C'est le mec qui a écrit... Oui. Ouais, mais si jamais vous arrivez à le faire venir un jour, franchement, c'est la meilleure personne pour parler de ça. C'est celui qui a écrit le petit livre des freelances, le guide de survie des indépendants. Ouais. Et celui qui est jaune, là, c'est ça? C'est celui qui est jaune, ouais. Ouais. Ce mec, c'est le livre, la référence. Ok. Hyper calé. Donc, je ne vais pas vous répondre. Juste, le droit d'auteur, c'est quelque chose qui appartient toujours au graphiste et qui n'est pas cédable. On peut céder les droits de reproduction et de diffusion. Donc, ce qui fait que le client a la propriété du logo et qu'il peut s'en servir, le rediffuser, l'utiliser sur tous ses supports, etc. On peut céder les droits de modification quand on le veut. Ou là, le client a le droit d'aller modifier s'il le veut un jour son logo. Le droit d'auteur, c'est quelque chose qui appartient toujours au graphiste qui a créé au graphiste, au photographe, à la personne qui a créé l'élément. Ok. Écoute, merci. Il y a Mélo Coton qui dit « Oui, je veux bien une session sur les droits d'auteur. » Allez. Ouais, ça, je crois qu'on a tous besoin de... Ouais, je pense que, voilà, on va essayer de vous faire des sessions un peu plus axées, le monde professionnel et tous les...
Les problèmes Ah bah, j'ai existentiels de trop très faim. l'existence des créas. Hein. Oui. Alors, il nous reste 10 minutes, ça passe super vite. Ouais, J'ai ça passe vite. plein de questions. Je vais te laisser présenter ce petit projet et on reprend les questions après, si ça Ouais. te va. Ça, c'est un projet pour Yummy, qui est une marque de soda naturel et bio. Et ça, moi, je trouve ça hyper important aussi de travailler sur des projets ou des causes avec lesquelles on est en accord. Moi, je tends de plus en plus à essayer de m'éloigner des clients qui vendent des services pour lesquels je suis pas du tout d'accord. Genre, il y a une époque, j'avais travaillé pour un client qui vendait des armes. Ah oui, Genre, des armes, des trucs d'aviation, et concrètement, je me disais, genre, j'ai pas du tout envie de le faire. Et je me rappelle, j'avais fait un devis hyper cher en me disant, il va pas le prendre. Et parce que je voulais pas qu'il le prenne. Et il l'a accepté. Je me suis dit, mais non. Et en fait, maintenant, je fais plus. Genre, j'ai Geoffrey Dorn, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un designer hyper intéressant, influent, enfin, intelligent, qui lui se bat vraiment pour travailler pour des causes qui lui tiennent à cœur. Et même maintenant, il fonctionne tellement bien qu'il peut faire un peu de bénévolat parfois. Donc c'est ce à quoi j'aspire un jour peut-être. Et du coup, je trouve ça hyper cool de travailler pour des projets qui ont du sens pour moi. Et du coup, une marque de soda naturelle, bio et naturelle, ça faisait sens. Ouais, Donc, carrément. j'ai créé un logo, avec tout mon petit process de logo, où comment on intègre un Y et une feuille pour l'idée du naturel, et l'amour du bon. Donc, on a notre petite feuille et un petit cœur qui prend la forme Je d'une l'avais pas bête. vu, il Mais est oui! trop J'aime bien quand il y a des choses cachées dans mes bien. Ah, logos. Hop, et un principe de packaging. Et ce que j'aime bien aussi dans mon travail, c'est avoir l'idée d'interactivité, d'interaction avec la personne qui va rencontrer mon design en fait. Donc j'ai créé une étiquette où toute cette zone-là est en découpe. Et du coup, quand la personne boit la bouteille, et ben ça se vide. Mon logo, il se vide. Comme si les bulles, c'est trop vu que c'est cool. un soda, comme si ça s'évaporait. C'est trop Voilà. mystérieux. Donc j'essaye toujours d'intégrer, quand je le peux, une interactivité, une interaction pour que le design soit aussi intéressant et ludique. Ouais, carrément. Et est-ce que c'est important du coup? Est-ce que tu choisis tes clients en fonction du budget qu'ils vont avoir pour la production après? Tu vois, ils vont pouvoir faire des Non. cartes de visite qui sont jolies ou Non. tu vois, est-ce Non, que tu je les sais. privilégies? Non, je le prends pas en considération parce que ce serait pas juste pour lui. Enfin, c'est pas parce que t'as pas de budget que t'as pas le droit d'avoir un truc cool. Et justement, c'est un peu ce que je prône, c'est de me dire, bah, il n'y a pas de sujet inintéressant, il n'y a pas de petit budget. Enfin, si, il y a des petits budgets, mais en fonction de ton budget, on va voir ce qu'on peut faire et ça veut pas dire que tu vas être traité différemment ou quoi. Et du coup, bah, c'est aussi à moi en tant que graphiste de voir avec le budget qu'il a pour l'impression ou autre ce qu'on peut faire de cool et comment on peut rendre le projet intéressant quand même. Ok, trop bien. Mais après, c'est des petites choses, mais faut que je vous montre ça, c'est trop cool. Alors attends, on a plein, 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 plein d'interactions. Donc merci vraiment à tous ceux sur le chat. Je regarde ce qu'on a. Oui, Pierre dit chercher sans relâche à changer la charte pour ne pas avoir un logo chat chiant. Mais le coton dit bonne démonstration avec le chat. Alors, Marc demande, lorsque tu fais des mood boards, comment tu fais pour ne pas être trop influencé par les visuels présents dans le mood board? Comme le carrelage, je pense, tu vois. Moi, je pense que c'est pas grave d'être influencé tant qu'on copie pas. Genre, pour moi, un bon créa, c'est quelqu'un qui va réussir à s'influencer, à s'inspirer et à se nourrir de ce qu'il a vu. Pour créer quelque chose. Tant qu'on va pas avoir, quand on tant qu'on tape pas logo Logo chat et qu'on copie logo le chat et qu'on copie le chat et qu'on le prend et qu'on se dit bon bah j'ai changé la couleur donc ça va. Tant que c'est juste de l'inspiration et que ça vient nourrir la création, c'est pas grave. Et je pense que quand je vois des visuels qui risquent de trop m'inspirer, je les supprime de ma board. Je les supprime D'accord. de ma planche. Genre, parce que l'idée c'est parce que parfois on copie sans s'en rendre compte aussi hein. On a tellement vu un visuel, on a tellement des identités ancrées dans nos têtes
ça m'arrive Ouais, carrément. de montrer des logos et qu'on me dise, bah oui, enfin, c'est le logo de machin, quoi. Et tu dis, bah non, pas du tout. Et là, tu vas voir et tu dis, ah bah si, carrément. Oui. Et ça, c'est hyper important aussi de s'en détacher. Mais ça m'arrive de créer des trucs qui ressemblent à d'autres choses et du coup, je supprime directement. Et je sais aussi voir les choses et les supprimer enfin, pas de ma tête, mais de mes planches quand je sais que ça va trop m'inspirer. Vu que j'ai toujours mes visuels à côté de mes planches de créa. Ouais, bah ouais. Et du coup, d'ailleurs, j'ai une question. Ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour les gens qui font des logos. Comment tu t'y prends pour savoir si ton logo, il a déjà été créé avant? Honnêtement, Tu vois? Est-ce qu'il y a moyen de faire de la recherche, du Google Images inversée? bah Après, oui, je sais. tu pourrais faire du Google Images inversé, ça carrément. Ouais. Mais il suffit que ta couleur soit différente, que la texture, que le fond soit différent. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Ouais, bah du coup déjà faire des logos typos, ça tu te mets à l'abri, c'est plus pour les sigles et tout. Et aussi, faut le montrer aux gens, je pense, hein. Carrément. Ouais. Et puis faire ses propres visuels. Là, typiquement, ça, c'est des. On fait la com avec une autre graphiste. Je travaille en binôme aussi avec une graphiste. Et c'est bien de pouvoir travailler en binôme quand on a des complémentarités. Et elle s'appelle Laetitia Lafon. Elle est spécialisée dans l'édition et c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Et avec elle, on travaille sur la com de l'abbaye de Maubuisson. C'est une abbaye, un centre d'art contemporain dans le Val d'Oise. Et c'est cool parce que ça nous ramène aussi à la matière première. Là, par exemple, le visuel qu'on voit au centre, la lune, là, c'est un visuel que j'ai créé avec une bombe de peinture, mes petits pochoirs. Enfin, en fait, comme quand on était à l'école. Et je pense que parfois, c'est bien aussi de revenir, de lâcher nos ordis et de revenir un peu à. Ah bah d'ailleurs, j'avais une question que j'ai vu poser, j'ai vu passer, pardon. Timothée demande, et du coup, pour commencer, tu ouvres directement l'illustrateur ou tu fais un peu des croquis sur papier pour trouver des idées et de l'inspi? Ça dépend des projets, mais en général, pendant que je fais ma veille créative, donc ma recherche sur Pinterest ou Behance ou autre, j'ai toujours mon petit carnet à côté où je note, enfin, je fais mes petits croquis, mais hyper rapide. Je vais pas dessiner le logo, c'est juste pour me rappeler de l'idée que j'ai envie de mettre en œuvre, et après, je la réalise sur Illustrator directement. Ok, trop cool. Oh là là, on a plein de questions. Donc, Peck Design dit chouette process. Bah, Timothée remarque la frontière entre plagiat et inspiration est super floue. C'est vrai que le sujet a été traité tellement de fois par les artistes et tout, c'est hyper intéressant. Pierre a dit Pauline a lu mon commentaire allitération en che sans fourcher. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est pour te dire ma concentration. C'est pas faute de fourcher sous tout le reste des mots. Et Pierre dit plein de bienveillance et d'humilité. Quelles sont les sources d'inspiration de Mélissa? Une bible typo design à recommander ou simplement les visuels qui t'entourent? C'est les visuels qui m'entourent, c'est vraiment Behance, Pinterest, parce que en fonction du sujet, les inspirations vont être hyper différentes. Et du coup, alors oui, j'ai comme tous les graphistes, le livre symbole, logo, enfin tous les livres de référence qu'on a dans nos bibliothèques. Je les ai pas là, je suis à la maison et pas au bureau, mais j'ai mon petit sapin derrière. Mais non, honnêtement, je regarde surtout sur Behance et Pinterest, et surtout en fonction du sujet pour m'inspirer et positionner la marque dans le bon domaine. Eh ben écoute, trop cool. Il nous reste juste quelques minutes. Alors, est-ce que tu veux nous montrer quelque chose qu'on aurait oublié? Un projet qui te tient à cœur? Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, bah, ce sera l'occasion, voilà, de faire des sessions sur les présentations clients, ce genre de choses. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous savez. Posez toutes vos petites questions. On est là, on répond. Tu peux nous rejoindre, Mélissa. Et puis J'ai voilà. envie de te rejoindre. Non, je vais juste montrer ce projet-là. C'était mon projet de master. Et je pense que ça, c'est vraiment un projet qui a déclenché mon. Pauline, tu le connais. Oui. J'adore la danse et du coup, je m'intéressais à l'interaction entre le design et la chorégraphie, voir comment on pouvait faire interagir une personne avec son support. Et du coup, j'avais créé ce livre qui était un livre histoire qu'on ouvrait comme ça. Et du coup, le plateau se dépliait.
Et en fait, le lecteur était acteur de son histoire, parce qu'en fonction des pages qu'il dépliait, et ben, l'histoire pouvait prendre un tout autre sens. Et l'idée, c'est de montrer que le support qu'on reçoit, en fonction du contexte dans lequel on le reçoit, le moment, l'humeur où on est, le papier, enfin plein de choses, ça va être reçu différemment et chaque personne va l'interpréter différemment. Et ça m'a éclaté de faire ce projet et je pense que c'est une logique que j'ai gardée dans mon process créatif, même si maintenant c'est vachement plus carré, corpo et tout, c'est de se dire tout est important, tous les détails sont hyper importants et que il faut rien négliger dans le sens, dans le papier, dans en gros tout a du sens quoi. Trop bien. Voilà. Ah, on a une petite question. Bah alors Thierry nous dit merci, c'est très instructif et belle organisation. Merci. Clara demande, pourriez-vous nous montrer d'autres moodboards? Peut-être qu'on peut terminer là-dessus rapidement. Je regarde si on a quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai d'autres moodboards? Ouh là là. Bah, j'ai mes moodboards Pinterest, hein, j'ai Oui, est-ce que du coup tu as un compte sur Ouais, j'ai un Pinterest compte Pinterest. Tu les mets en privé ou en public, tes moodboards? Je les mets en privé en général. Hop. Ouais. Je les mets en privé. Bah, là, par exemple, c'est un visuel. Ah bah, il est tout nu ce tableau. Attendez. Hop. Là, c'est des moodboards pour une mise en page. Alors, il y a plein plein d'images. C'est des compositions desquelles je vais m'inspirer. C'est enfin, hyper varié. En fait, Pinterest et Behance, c'est des vraies toiles d'araignée. C'est un peu sans fin. Et du coup, moi, je me perds dedans. Je sais que je peux y passer des heures et des heures et des heures. Mais c'est tellement cool. Ouais. Et après, encore, il faut trier, réorganiser. Mais ouais, mes moodboards sont vraiment. Enfin, c'est un truc que je prends en compte dans ma facturation client parce que j'y passe des heures, quoi. Ouais, faut vraiment y penser, ça, c'est Et puis c'est marrant aussi de voir le nombre d'éléments qu'il y a dans la recherche pour à la fin un résultat qui a l'air tellement Ouais, simple, quoi. c'est ça. Mais la Vraiment. simplicité, c'est important. C'est le. Voilà, bah, on peut terminer là-dessus. Peck Design dit la création de logo est un vrai travail d'équilibriste. Ouais. Et ben voilà, Jamila dit c'était top. Non, Mélocoton merci, c'est dit gentil. merci, toujours super. Et ben je pense qu'on va s'arrêter là, si ça vous va. Merci à tous. Merci, Merci merci. Mélissa, c'était cool. Ouais, c'était On trop bien. vous retrouve, demain. Je ne sais plus ce qu'il y a demain, mais vous allez retrouver Franck à 10h déjà, voilà, pour une petite session technique. Et après, à 14h, pour un invité. Je ne sais pas qui on reçoit demain, mais quelqu'un de très très chouette, c'est sûr. Donc voilà. Bah Franck vous partage les liens en description. Ah bah tiens, on a un petit message de Milena qui dit Ah, retour. Milena. L'expérience d'une heureuse cliente de Mélissa, elle écoute, elle vous rentre sous la peau avec tellement de douceur que le résultat est bluffant d'authenticité. Merci. Mais Merci, qu'est-ce que. Milena. Ouais. Trop bien. Et Delphine dit, j'adore le travail, la démarche et la touche de Mélissa. Bien carré, bien propre, bien classe. Ça marche à tous les coups. Anne dit, Merci. c'était trop chouette. Stella dit, super boulot. Oh là là. Émilie dit, super session, très intéressante avec un super travail. Bravo, Émilie. M'arrêter, moi je vais pleurer. Attends, bon, on a plein d'amour. Trop Diana dit bien. super instructif. Coqueleu, superbe. Bah, trop bien. Et ben, merci à tous. Merci à tous pour toutes vos questions. C'est Merci Pauline. vraiment grâce à vous qu'on peut continuer les lives. Donc, merci à tous de regarder tous les jours. Et puis, bah, merci Mélissa, c'est trop cool. Bah, merci à toi de m'avoir botté les fesses un peu. Oui, Oui. vous avez besoin de bottage de fesses. Je Ouais. serai toujours là pour vous. Allez, et ben je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve demain. À demain les gens. Au revoir.